Il y aura évidemment la session jeudi prochain, je l'oublie pas, mais cette fois-ci, on a l'occasion, donc on va faire une petite session rapide d'une petite heure. Maintenant, alors, donc j'en dis toujours, on va reprendre Mewtwo pour faire mal, parce que c'est celui qui a le plus de progression à faire. C'est peut-être celui avec lequel c'est le plus compliqué. Et c'est après les Bowser, après les trois défaites de Mewtwo. Ils arriveront, je pense, malheureusement, beaucoup trop vite. Je pense que je vais pas le garder longtemps, Mewtwo, que dans les personnages à monter. Tant j'ai de difficultés avec. Oh putain de merde. 3, 2, 1, partez. Alors, attends, là c'est un peu normal. C'est beau. Et c'est une victoire pour Mewtwo. Ah bah c'est pas mal pour un petit entraînement. Sachant qu'après Mewtwo, je suis sûr de voir Link, j'en suis à combien? Bah Link, je suis encore plus faible que Mewtwo.
Caroule. Ok. 3, 2, 1, parti. Poids lourd, tap. Sérieux? Voilà. Non, le con. Première défaite pour Mewtwo. Combat solo. Mais ceci dit, je me suis amélioré. Hein. C'est exactement le même. 3, 2, 1, parti. Quoi? Quoi? Putain, ça m'a fait le bouclier et j'ai pas compris. Thank you.
Ok, ça va pas du tout. Intense. Ouais, on est en là. Erreur de touche. Bon, deuxième défaite, en plus contre le même. Alors, j'ai pas demandé de revanche, mais bon. Non. Ah, ça part mal, non? Ne me dites pas que je retombe une troisième fois sur lui, parce que alors là j'ai pété un câble. Ah bah enfin. Ça me rassure pas plus hein. Alors on va voir si il commence comme moi par un. Par contre, je vais TP là. Yeah.
On a compris. Bon, un léger avantage parce qu'il y a beaucoup plus de pourcentage, mais je suis très léger. Oh putain, il compte me le faire en boucle. Et ben voilà. Ça c'était mérité. Ça stagne le 7B, bah voilà, ça beurre comme une merde. En fait, c'est ça l'astuce contre Sora. Il fait son 7B en boucle, tu te mets contre le bord, tu shield, et il va te traverser. L'astuce ultime contre Sora. Le gars il spam le side B, tu te mets contre le bord. Il va sauter tout seul dehors. Putain, la découverte. Les spammers idiots. Ils le font plus. Oh, Sulfura. Alors, sur quoi je tombe ? Link enfant. 3, 2, 1, parti ! Je comprends pas ce qu'il fait. Déjà ? C'était un devis, je l'ai même pas vu. Bon bah, c'était rapide hein. Ah bah oui, t'en es pas revenu, oui. Ah la vache. Ouais, le retour Mewtwo qui progresse hein, petit à petit. Ce combat me saoule d'avance.
Oh putain, allez, tue-moi qu'on en finisse. J'aime tellement pas ce perso. Voilà. Allez, fini. Putain, je déteste ce perso. Je le déteste affronter, je déteste voir. D'accord, je pense que sur Smash 4, on n'a pas eu Vlad, mais on a eu cette merde. Je suis désolé, mais ce personnage me fait tellement rager que j'ai pas envie de jouer à Bayonetta. J'ai même pas envie. Ce perso me saoule. Bon. Allez, on va passer à un autre perso. Mais c'était plus agréable, hein. Franchement, Mewtwo, c'est peut-être pas un peu que je mettrais tant que ça de côté, parce que j'avoue qu'il est très, très, très agréable. Bien, la première fois que je réussis à faire ça. Ouf. Ah ok, lui il est vénère. Pas non plus, hein. Il l'a pas vu venir celle-là. Par contre, là, je l'ai pas vu venir non plus. Par contre, le match était bon. Et c'est une victoire pour les...
Ah, c'est Zayax. Encore ? Mais c'est pas le même. Revanche donc ? J'adore quand il y a des mises à jour qui se font sans mon accord. Hein. Mauvais plan ça. Mérité. Après là, attaquer un ligne par le haut, c'est quand même risqué, hein. Sephiroth. 3, 2, 1, parti! Oh le con. Yeah.
sérieux? Deuxième défi de King, je crois. Donc une troisième et on switchera à nouveau. Ike. Par un gars qui aime Bayonetta. Ah oui, non. Là, non, non, il l'avait mis. Tué par une flèche, trop beau. Et c'est une
Non. Même si c'était intéressant. Franchement, j'étais bien concentré, j'étais bien focus. Pas tous les jours. Combat solo. Ah bah c'est le même, il va en avoir marre. 3, 2, 1, parti. Ok. Ah non, bravo pour vous. Là, je pensais pas qu'il l'aurait. Une flèche. Ok, si tu veux. Ah putain, c'est deux fois que je me fais avoir par ça. Ah, le match était beau. Non, pour l'instant, Link s'en sort plutôt bien. Hein. Léon, pourquoi ce nom me parle? J'espère que c'est quand même pas le jour qui joue aux heures.
Ça doit pas être lui. Oh merde, c'est la mort! Non, là j'ai pas tech, mais je sais pas trop tech. Hello! Ok. Par contre, mets la forme, toi. Et c'est une victoire. Ah, lui. Ouais, il a bien progressé, lui aussi. Ah, je comptais arrêter dans 10 minutes. Donc, on peut, mais juste pour un match. Combat solo. Vas-y, je vais te créer une arène. Un ou deux matchs. Je m'avais prévu de me faire juste une petite heure de live. Alors. Comme d'hab. BO3. Préparez-vous à combattre. J'adore. Alors. Ouais, non, pas battle. Bon, ce sera au hasard. Hein. Donc. Vas-y, le code N6706. Et le code c'est 1. Parfait. Du coup. Oh, bah tiens, je vais rester avec Danidou. Ça fait longtemps. Et j'adore ce perso. Ouf, Marie, un Satan, un joueur de Satan.
C'est très... C'est bien ce qui me semble. Dieu que je supporte plus perso. Ok, ça va pas du tout. Je pense que je vais switcher. Quand même. Elle va pas partir sans une vie. The fuck? C'était quoi ce bordel? D'où? D'où elle est venue me pêcher aussi? Ah! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah non mais... J'ai tellement état de choc. Allez, vas-y, je change de perso. Ouais tiens, pareil ça fait longtemps, mais je sens que ça va être un peu rude. Voilà. Sérieusement. Alors qu'on m'explique pourquoi on a retiré à Snake la possibilité de foutre des mines, mais à elle on l'a laissé. Oula.
Je refuse de payer les pots cassés. Oui, j'ai compris. T'es le meilleur perso à distance. Ah putain, bon c'était joli. Ah mais je considère toujours ce perso comme un personnage de Satan. Alors non, il peut pas mettre de mine, il met un C4, mais il met pas une mine. Dans Brawl, il mettait une mine et un C4. C'est-à-dire que bah, c'était comme Marie, c'est-à-dire qu'ils mettaient une mine et ça explosait quand ils marchaient dessus. Ils ont retiré ça et maintenant le Don Smash, c'est juste deux coups de pied. Mais avant, c'était une mine. Et c'était putain de bien d'ailleurs. Tu pouvais miner tout le terrain. 3, 2, 1, parti. Oh putain, mais ce lance-pierre de ses morts! Bon, se rappeler que le lance-pierre, c'est un lance-pierre de ses morts. Là, par contre, j'aurais dû me rappeler qu'il avait en poche. Oui, j'ai mérité ma mort. Je sais pas ce que j'ai voulu faire sur la fin. Bon, et sur ce... Oui, non, mais c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Bon. Bon, allez, moi, je m'arrête là. Comme j'avais dit, j'arrêterai mon live après une petite heure. Du coup, si tu veux, on se retrouve jeudi prochain. Où, normalement, il y aura une petite arène en fonction de si les gens arrivent. Voilà. Allez. Ciao. Et du coup, rendez-vous jeudi prochain pour la suite de Smash !